Le RHDP pleure un de ses dix fils, un de ses piliers, une de ses pièces maîtresses. Le président à qui nous pensons tous dans cet instant posé. C'est dur. Le premier ministre Ahmed, c'était toujours le sourire, quelle que soit la situation. Il avait cette force de pouvoir détendre même les situations les plus tendues. On retiendra de lui l'homme capable d'être ferme et d'être conciliant. Et il a démontré à travers le dialogue politique, ayant permis d'arriver à ces élections apaisées, ces élections inclusives. Alors que nous l'attendions pour partager avec lui cette belle victoire du RHDP, à laquelle il a participé en tant que président du comité électoral, mais nous étions en une union d'esprit avec lui. Que le destin est cruel, oh qu'il est cruel, que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis à côté de lui.